Quoi? Oh non, je suis en retard, je n'ai pas le temps. Vite! Changement de vêtements. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Je devrais déjà avoir ouvert. Hé, ne joue pas à ça avec moi. Voilà, maintenant la partie la plus importante. Oh, j'ai oublié les gants. Les voici, maintenant je suis totalement prête. Entrez! Ho ho ho, joyeux. Je plaisante. Salut, je passais juste à côté et j'ai vu ton studio. Je veux mon logo ici, sur mon avant-bras. Tu peux faire ça? Bien sûr, c'est facile. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Seulement... Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas traverser la peau. C'est vraiment bizarre. Allez, un petit effort. Oh non, maintenant c'est cassé. Mais comment c'est possible? Dommage. Je pensais dépenser cet argent ici, mais... Attends, s'il te plaît, ne pars pas. Quoi? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Dans tes yeux... Enfin! Maintenant, utilisons aussi tes jolis yeux! Allez, non, viens par ici! Regarde par là! Non, s'il te plaît, ne fais pas ça! Ouf! Je m'attendais pas à de tels dommages collatéraux, mais... D'accord, allons-y plus doucement. Voilà, cette fois on y est! Sois un bon garçon maintenant et rends ta maman tatouée fière! Parfait! Le tatouage est terminé! Réveille-toi! Alors, est-ce que ça te plaît? Hein? Mais c'est... Quoi? Tu l'aimes bien, c'est ça? Je voulais ça! Et tu m'as tatoué cette chose affreuse sur la peau! Oh oh, il est vraiment énervé! Dans ce cas, je n'ai pas d'autre option. Regarde-moi dans les yeux. Les yeux. Maintenant, donne-moi ton argent. Merci et au revoir. Au revoir. Gentil garçon. Oh, il a tout cassé. Oh, peu importe. Salut beauté. Bonjour, bonjour. Comment puis-je t'aider? Je suis tellement contente d'être enfin arrivée. Oh, salut toi. J'aimerais me faire tatouer ce joli visage. Juste ici, ce serait génial. Super, alors allons-y. Tu vas ressentir comme une petite piqûre. Oh non, j'ai peur des aiguilles. Je crois que c'est pas vraiment une bonne idée. Reste, s'il te plaît. J'ai une idée. Tu vas l'adorer. Et c'est complètement sûr et indolore. Tu vois? Nous allons simplement le mettre ici et le rendre super brillant. C'est l'une de mes idées de tatouage préférées. Maintenant, voyons ce que ça donne. Wow, c'est tellement cool. C'est exactement ce dont je rêvais. Merci beaucoup. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? C'est un tremblement de terre? Je ne pense pas. Je pense plutôt... Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Salut princesse, je t'ai cherché partout. Je suis tellement contente de t'avoir trouvé. Oh, c'est vrai. C'est totalement inutile sans ce petit objet. Ma princesse, accepterais-tu de me faire l'honneur de m'épouser? Hein? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est à toi de décider. Oh, c'est pas vrai. Mais les gars, dites-moi quoi faire dans les commentaires. À votre avis, je devrais dire oui ou non? S'il vous plaît, aidez-moi. Donc c'est oui. Merci les gars. Oui, Mario, je t'aime. Je t'aime aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Mais attendez, mon argent. Oh, ils sont partis. Alors, ça ou ça, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Salut, tu peux me faire un pika-pika juste ici? Je le veux lumineux et coloré, dans le style de Pikachu. Oh, pas de problème. Ce sera fait en un rien de temps. Commençons. Oh, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'y arrive pas. Ah, ça fait Oups, mal. Pardon. C'est vraiment démentiel. D'accord, je pense savoir quoi faire. Regarde un peu ça. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle machine à tatouer. Je l'appelle le maître des marionnettes. Ne t'inquiète pas, c'est totalement sûr. Waouh, ça a l'air génial. Tout à fait, maintenant attrape-le. Parfait, et maintenant allons-y. Tu te débrouilles vraiment bien. Oui, ça a l'air réel. C'est tellement cool. C'est exactement ce que je voulais. Voilà ton argent. Ouf, c'était tout un défi. Oh, mais pas encore. Mais s'il te plaît, laisse-moi partir, je t'en supplie. Oups, merci, au revoir. Au revoir, mon ami. Hein? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Quel est ce bruit? Il y a quelqu'un ici. Oh mon Dieu! Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour moi, rien. C'est mon petit pote qui veut se faire tatouer. Chose, tu voulais tes initiales, pas vrai? Ah, d'accord, dans ce cas, allons-y. Hé, s'il te plaît, arrête de bouger! Stop! C'est insupportable! Oh là là, tu as 10 minutes. Quoi? Attends! Oh non, je suis fichue! Alors, tu veux jouer, hein? Viens ici! Attends, mais reste où tu es! Stop! Oh, elle est trop rapide! Il faut que je trouve une solution! Je suis sûre qu'il y a un moyen de l'attraper! Viens ici, mon petit gars! Je te tiens! Hé! Ne bouge pas! S'il te plaît, reste calme! Puisque c'est comme ça, tu ne me laisses pas d'autre choix! Très bien! Dans ce cas, je vais devoir te congeler!
Et voilà! Enfin, je peux faire mon travail tranquillement. Je dois faire ça très soigneusement. Ou elle risque d'être furieuse. Jolie! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Chose, mon chéri, montre-moi ton tatouage. J'aime beaucoup, merci. D'accord, merci. Je fais de mon mieux. Et encore un délicieux pourboire. Merci beaucoup, c'est tellement bon. C'était dur, mais je le mérite bien. Je dois commander. Excuse-moi. Hein, mais d'où ça vient? Ici, je suis là. Salut, je voulais juste cette mignonne petite licorne, tu peux? Ouais, mais je ne pense pas que tu sois assez âgé pour ça. Hein? Mais j'ai déjà 350 ans, regarde. Ah, bien essayé, mais c'est encore non. Tu es encore mineur, mon petit, désolé. Mais c'est pas juste. Bien. Oh, gamin, s'il te plaît, ne pleure pas. Bonjour, je voulais juste me faire tatouer cette jolie licorne. Ici, par exemple. Oh, d'accord, pas de problème. Laisse-moi... est-ce que je te connais? Mais oui, avec cette licorne et ta taille. Laisse-moi juste enlever ça. Hein, mais je... Je t'ai déjà dit non. Maintenant, tu sors d'ici. Bien, mais tu vas le regretter, chauve-souris. Qu'est-ce qu'il est dramatique. Enfin, peu importe. Il est temps de fermer le studio. Demain est un autre jour. Et pendant ce temps, je vais vérifier la caisse. Ouais, c'était une journée très productive. Il y a tellement d'argent. Youpi. Waouh, je suis un médecin maintenant. Oh, il y a une urgence. Je dois les sauver. Ouvre la bouche, c'est une cascade de bonbons. Waouh, c'est délicieux. Et maintenant, je veux quelque chose d'extra sucré. Bingo! J'adore le sucre d'orge. Bye bye, le blanc nacré. Ravi de t'avoir connu. Ma dent, stupide bonbon. J'ai besoin d'un... Ça fait vraiment mal, Doc. C'est un gros mal de dents. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Ma dent, j'ai mangé trop de bonbons. Pas de température. Ne t'inquiète pas, le docteur va venir te voir maintenant. Vous n'êtes pas le médecin? Une minute. Ce n'est pas un hôpital ordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôpital pour vampires? Quoi? Ne me faites pas de mal! Je ne mords pas trop fort. Une queue? T'es une sirène. Tu ne peux pas être ici. Pourquoi ça? T'es dans un hôpital pour vampires. C'est réservé aux vampires, aux humains et aux chauves-souris. Nous traitons les sirènes aussi maintenant? Bon, voyons ce que tu as. Rien que je ne puisse pas réparer. Ne bouge pas. Encore quelques coups. Une petite incision. Ouvre un peu plus grand, s'il te plaît. Cette dent est coriace. Qu'est-ce que tu en penses? Vous m'avez mis des crocs? Quoi? J'ai dit que j'avais mal aux dents. J'ai compris le message. J'espère que j'ai assez de ficelles. Reste ici, d'accord? Je vais t'enlever ça en un rien de temps. Cette astuce fonctionne à merveille. Non, ne faites pas ça! Ok, hein? Docteur? Ça a dû faire mal. Avez-vous terminé avec le patient? Pas exactement. Ça va? Ça a fonctionné, n'est-ce pas? Maintenant, repose-toi, d'accord? Merci, Doc. Je peux enfin manger. Coucou, sandwich à la dinde. Quelle est cette horrible odeur? C'est intéressant. Oui, il m'en faut plus. Ils n'écoutent jamais quand on leur dit d'ajouter de l'ail. Mais j'emporte toujours ma propre réserve. Tu manges vraiment ce truc? C'est dégoûtant. Mais cette araignée, en revanche... Qu'est-ce que c'est? Une araignée? Oh non! Je suis vraiment désolé. Ma fin est arrivée. C'est terminé. Laissez-moi vous aider. Oh non! Fais attention. Ça va? Mon cou! T'es au bon endroit. C'est tout à fait ton style. Tu te sens mieux? Merci, docteur. Ta queue a l'air mal en point. Laisse-moi t'aider. Je suis désolée. Cette queue doit rester maintenue. Ne t'inquiète pas, je vais y remédier. Voilà, ça permet de maintenir l'ensemble en place. Tu dois juste te tenir tranquille.
Vous êtes sûr de ce que vous faites? Oh, t'as encore mal? Attends, je sais quoi faire! Chaud devant! C'est étrange! Où est-il passé? Désolé, je déteste les aiguilles! D'accord! Regarde-moi, aie confiance! D'accord. Je cherche. Maintenant, allonge-toi et détends-toi. Oui, comme ça. Et dors. Parfait. Où suis-je? Je me suis endormi? Ce ne sont pas mes jambes! Elles le sont maintenant. Tout va pour le mieux. Ah! Au secours! Quel rêve bizarre! Que se passe-t-il maintenant? Ok, tout va mieux à présent. Bien, merci. Attendez, quelque chose d'étrange se passe dans mon ventre. Docteur, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Attention, c'est froid, mais ça m'aidera à voir à l'intérieur. Ok, voyons ce qui se passe. Voilà qui est original. Regarde tous ces bébés sirènes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es enceinte. Non, je peux pas être enceinte. Ah! Oups, je me suis trompée. Mon dernier projet artistique. Donnez-moi ce truc. Hé, hey, laissez-moi sortir d'ici. Allez. Je suis juste constipée. Désolé, je dois aller aux toilettes. Non, sans blague. Il a besoin de quelque chose. Est-ce que c'est un moustique? Je sais exactement ce qu'il veut. Et celui-là est tout frais. Coucou, qui veut un petit encas? Je n'y avais pas bien réfléchi. Arrêtez de me poursuivre, s'il vous plaît. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me fait mal, regardez-moi ça. Je ne veux pas devenir un moustique. Sortez d'ici et ne revenez pas. Enfin, il n'y en a plus. Ça va? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai besoin de votre aide, docteur. Ce moustique t'a bien eu. Je vais soigner ça. Voilà. Waouh! C'est froid. Mais je me sens beaucoup mieux. Tant mieux. Tu as un petit encas pour te réchauffer. Bon appétit. Est-ce que c'est de la nourriture? On dirait des parties de corps. Un moment. J'ai une sauce spéciale pour toi. C'est une spécialité des vampires. Ça ajoute un peu de mordant. Voilà, c'est fait. Ça sent incroyablement bon. Bon, je vais essayer. Est-ce que c'est censé être aussi gluant? À la vôtre. Une grosse bouchée. C'est une saveur intéressante. Comment ça se passe? Ça va? Je ne sais pas. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture semble correcte. Et la sauce? C'est très périmé! Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je sais! Je vais retirer le poison. Quoi? Je me suis endormi? Docteur, qu'est-ce que vous faites? Encore une minute. Voilà. C'était énorme. Je préfère de loin le sang. Merci, docteur. Je dois y aller. Pas si vite. Tu dois d'abord payer. Une facture? Je ne pense pas avoir d'argent liquide. Voyons ce que j'ai. Hé! Hey! Qu'est-ce que c'est? Un coquillage? C'est bon? Merci! Je ne pense pas. Tu dois me donner de l'argent. Ah! Je n'en ai pas. Et si je vous payais en sang? D'accord? Pas d'argent liquide? Du sang fera très bien l'affaire. Et un flacon de sang de sirène. Jolie couleur, non? Oui, continue. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oui, juste du bon vieux sang ordinaire. Certainement pas du jus de tomate ou un truc dans ce genre. Et rien que pour vous. Un vrai régal. Santé. Délicieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est vraiment ton sang? C'est exact. Je n'aime pas les menteurs. Tu me mens, n'est-ce pas? Une tomate? Non. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Peu importe. Je peux devenir vegan, pourquoi pas? Longue vie à tous! Parfait! Qui est-ce? Ma chérie? Elle me quitte? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui ne va pas?
Voyons voir. Jusqu'à présent, tout semble bien aller. Mais ce cœur a un problème. J'y vais. Ce cœur est une épave. Qu'est-ce que cette fille lui a fait? Comment est-ce que c'est arrivé là? D'accord, tiens bon. Brisé comme je le soupçonnais. Je crois que j'ai un cœur de rechange quelque part. Non? Hé! Hé! Juste la bonne taille et il bat comme un champion. Le spécimen parfait. Ok, c'est parti. Réveille-toi. Comment va mon cœur? Tout va bien se passer, mon grand. Tu veux sourire pour moi? Pourquoi tu me regardes fixement? Vous avez l'air différente. Je vous aime, docteur. Attends, j'y suis presque. Tu m'aimes? C'est juste ton nouveau cœur. Ne partez pas, je suis amoureux de vous. S'il vous plaît, ralentissez. Les filles vont tomber amoureuses de moi, c'est sûr. Parce que je suis le roi des sirènes. Oh, salut les filles. Laissez-moi passer. Hé, beau gosse. Excuse-moi, la naze. Hein, mon collier? Oh non. Oh non. Oh mon Dieu, elles ont vu ma queue. Tu es tout à fait sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? À qui appartient ce coquillage? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Oh, qu'avons-nous là? Un coffre de beauté? Vérifions ce que cela peut faire. Peut-être pêcher une crotte d'oreille. Une solution contre les boutons? Ah, c'est donc à cela que ça sert. Oh non, d'où vient ce volcan? Il faut le faire exploser. Oh, dégoûtant. Allez. Ah, super. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ce coquillage? Le petit poisson est coincé dans un bouton super géant. Accroche-toi bien, mon bébé. Je vais te sauver. Enfin. Hey, comme c'est mal poli. En y réfléchissant bien, hein. Pas mal du tout. Oh, les boutons sont toujours là. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as pour moi, coquillage de beauté? Oh, waouh! Essayons-les sur les boutons. La couleur de ces patchs correspond à mon thème marin. Nous allons bientôt savoir si cela fonctionne vraiment ou non. Je me sens un peu bizarre. Oh, ça picote beaucoup. Oh, j'ai toujours l'air moche. Ma peau est ultra sèche. Oh, je sais. Coffre, étonne-moi encore. Qu'est-ce que tu as là? Un accessoire de beauté? Oh, c'est incroyable. Rendons-le encore plus intéressant avec des paillettes de gommage de la mer des Caraïbes. Applique-les sur le dispositif. Regarde-moi ça, une couleur éclatante. Wow, mais j'ai besoin de mousse pour cela. Oh, cela devrait faire l'affaire. Je vais juste lui verser quelques gouttes. Maintenant, prépare-toi à... qui est là? Oh, c'est moi, je n'ai plus besoin de toi. Maintenant, frotte-le doucement sur ta peau. Oh, je sens que ça lave les saletés de ma peau. Ah, c'est fait. Oh, c'est tellement propre. Mais, oh, ça me tiraille. Oh, c'est tellement sec et collant. Pourquoi les filles doivent-elles subir cela? Oh, 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 burk. Appelons des renforts, alors. J'arrive, madame. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Oh, mon petit, aide-moi à retrouver ma peau. Okidoki, allongez-vous et laissez-moi faire le reste. C'est un peu gluant, mais ça fait des merveilles pour votre peau. 30 minutes plus tard. Oh, merci pour ton travail acharné, mon petit. Il n'y a pas de quoi, madame. Bye bye. Sympa. Oh, bien sûr. Cela rendra ma peau plus douce. C'est ça. Allons-y. Oh, tellement relaxant. Plus de mains, s'il vous plaît. Oui, essayez ce spa pour le visage, les filles. Ah, aussi doux que les fesses d'un bébé. Oh non, j'ai des yeux de panda. Oh, je ressemble à une vieille femme. Ah, qu'est-ce qu'il y a, coffre? D'accord, d'accord, je vais l'ouvrir. Je ne suis pas certaine de ça, mais essayons. Oh, rien ne se passe. Peut-être... Enfin, c'est ouvert. Ok.
dégoûtant. Oh, berk. Oh, ça doit aller ici, je crois. C'est ça, un autre pour l'autre œil. Et celui-ci, peut-être ici. C'est parfait. Maintenant, lisons en attendant. Oh, intéressant. Un peu d'élagage au passage pour toi. Selfie. Oh, oups, il est temps de l'enlever. J'ai hâte de voir le résultat. Tada! Oh, parfait! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, j'ai l'air d'un démon! Le coffre! Qu'est-ce que c'est? Bon, je serre les dents! Oh, nom d'un chien! Pourquoi suis-je si poilu? Et ce n'est pas tout! Aide-moi, Triton! Oh mon Dieu, quand est-ce que c'est fini? Enfin libérer les poils du démon. Oh, Timmy, mon prince charmant. Nous serons bientôt réunis, mon amour. Mouah. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh. Je ne suis pas encore tout à fait au point. J'ai besoin d'un maquillage enchanteur pour le charmer. Heureusement que maman m'a appris une chose ou deux sur la façon de se camoufler. Pour échapper aux méchants humains. Mais des couleurs douces qui ressemblent à certaines créatures de l'océan. Tapote doucement la peau. Voilà! Oh, joli! Cet aspect écaillé est si joli! Oh, oh, j'ai une idée! Nous avons besoin de quelque chose de différent. Une texture et un motif différent pour des couleurs différentes. Voici du bleu et du rose pour tous mes amis corail. Waouh, oh, j'adore! Hé, hey, attention! Tu veux peut-être boire quelque chose? Qui est-ce? Toi? Bien sûr, je vais prendre un verre. C'est toi! Oh! Attends un peu. Je trouve que c'est un excellent truc. J'espère que mes lèvres seront aussi rouges que les cerises. Ah, moi, exactement ce à quoi je m'attendais. Oh, des algues! Oh, je n'arrive pas à croire que je suis aussi dégoûtante. Oh, c'est ce dont j'ai besoin. Oh, c'est un peu intimidant. Attention! Wow, je ne l'ai pas vu venir. Une petite perle blanche, c'est parfait pour les accessoires. Oh, petite perle, petite fleur. Faites-moi profiter de votre beauté. Certains sorts font des miracles. Oh, wow. Attendez, mes mains. Dis-moi que tout ceci n'est pas réel. Je dois faire quelque chose. Coffre, à l'aide. Génial, tu sais toujours ce dont j'ai besoin. D'accord, essayons d'abord celui-ci. Qui n'a pas besoin d'un bon spa pour les mains. C'est fait. Propre et frais. Sainte anémone, nous n'avons pas encore fini. J'espère que ça va marcher. Nous verrons bien. Un gant. Intéressant. On dirait une compresse froide pour les mains. Voici la révélation. Waouh, c'est encore mieux que ce dont j'avais rêvé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce filet? Des humains malveillants essayent encore de m'attraper. C'est incroyable. Attends un peu. Il est temps de lancer un autre sort. Du coton dufteux. Boum. Waouh, joli haut. Oh, j'ai besoin d'une signature des profondeurs de la mer. Ouais. Bien sûr, je dois porter des coquillages. Waouh. Oh, je suis si fière de moi. Oh, s'il te plaît. Nom d'un triton. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux. J'espère que cette chose pourra le réparer. Oh, le plumeau à la rescousse. Un coup et ils disparaissent. Impressionnant. Oh, des paillettes. Et si je... faisais pleuvoir les paillettes sur moi? On y est presque. Oh oui, les paillettes ne peuvent pas faire de mal. Maintenant, la dernière touche. Oh! Je suis prête maintenant. Merci, cher coffre. Wow! Maintenant, où est ma reine? Oh, un coquillage! Je crois que j'entends quelque chose. Ça vient d'ici? Ah! Oh, oh, ça bouge!
Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Rachel? Hey, Timmy! Waouh, t'as l'air différente! C'est vrai! Je cherche une reine, alors... qu'est-ce que t'en dis? Oui! Parfait! Hey! Non! Sa fille est la meilleure! C'est la seule et unique reine des sirènes de toutes les profondeurs des mers! Une eau bleue comme mon océan! Oui, plongeons en profondeur! Un jour, j'attraperai l'un de ces diables sournois qui ne cessent de faire des vagues. En voilà une nouvelle qui s'ajoute à ma liste de plaintes. Les sirènes dans la piscine. Mais enfin, bref. Oh, oh Triton, j'ai besoin d'un médecin. Moi partir. Aidez-moi. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un vampire. C'est un hôpital pour vampires, vous voyez? Hein? Vampires, humains, chauves-souris? Et même les sirènes? Très bien, ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? On doit réparer ça, accrochez-vous bien. Ça doit bien mordre, accrochez-vous bien. Et voilà, enfin c'est fait. Hein? Bizarre? Quoi? Des crocs, vraiment? Oh, ma chérie, je peux aussi les arranger avec ça. On va faire ça de manière traditionnelle, d'accord? Respirez à fond et comptez jusqu'à 10. Ça va vous détendre. Prête? C'est parti! J'ai un mauvais pressentiment. Sacré Triton, vous avez arraché les mauvaises dents. J'ai mal au ventre. Je suppose qu'on doit vous arranger encore une fois. Matériel d'échographie, voilà, s'il vous plaît. Merci. Ça chatouille un peu. Rien de bien inquiétant. Restez calme, ça va chatouiller un peu. Voyons voir. Waouh, six bébés sirènes. Des bébés? Et ça veut dire félicitations, que... vous êtes enceinte. Quoi? Vous vous moquez de moi? C'était une farce. Donnez-moi ça, je le ferai moi-même. Bonjour. Je veux sortir. Oh non, faut que j'aille aux toilettes. Merci. Mangeons. Quelle est cette odeur? C'est de là que ça vient? Aïe! Oh mon Dieu! C'est de l'ail! Non, de l'ail! Qu'est-ce qui se passe? Ne vous approchez pas de moi! Mon cou! Aidez-moi! Mais bien sûr! Des perles magnifiques! Quoi? Quelle impolitesse! Parfait pour les accessoires! Oh oui! J'ai un joli support de cou pour vous! Pourriez-vous... Que s'est-il passé? Merci beaucoup! Je vous en prie! J'ai besoin de m'allonger! Merci! C'est beaucoup mieux maintenant! Aïe! J'ai mal à la queue! Oui, je vois ça. Il faut mettre du plâtre. Vous allez vous en sortir. Très bien, c'est fait! Aïe! Et ça fait mal! Désolée, ça devrait vous aider à vous calmer. Où est-elle? S'il vous plaît, non, j'ai peur des aiguilles! Bon, dans ce cas... Dors bien, mon enfant! Qu'est-ce que vous faites? Par le chaudron durci là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est fait! C'était juste un rêve. Tu vas ici et tu vas là. Et c'est fait! Des bestioles? Merci de m'avoir sauvé la vie! Pas de soucis, c'est mon travail. Je vais retourner à l'océan maintenant. Sainte Athéna, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Le monde tourne, je peux plus respirer. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est vivante? Oh, son cœur est brisé. Fais vite, j'ai un cœur à réparer. Les outils sont prêts. Réparer un cœur brisé est ma spécialité. Oh, c'est un peu compliqué. Ça ne fonctionne pas. D'accord, essayons celui-ci. Elle a peut-être besoin d'une seringue plus grande. Une grande injection au cœur.
Oui, viens là, cœur brisé. Oh, il s'est cassé en deux. Il n'y a rien à faire. Bon, il lui faut un remplaçant. Lequel convient aux sirènes? C'est très joli. Assemblage du nouveau cœur, Mojo. C'était un rêve? Hein? Ne l'appelle plus, elle ne veut plus de toi, bye. C'est comme ça qu'on fait. Oh, oh, vous êtes mon héros. Eh bien... Merci beaucoup, vous avez réparé mon cœur brisé. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Encore? Elle a besoin d'eau. Retour à la mission. Lunettes de sécurité, triplons-les pour une triple protection. N'oublions pas la crème solaire. Applique-en généreusement, les vampires craignent le soleil. Et un parapluie, allons-y. Roule, le soleil est trop fort pour moi. Ok, c'est ici, peu importe. Allez, roule, roule, on y est presque. Oui. On se réveille, la sirène. Hé, la sirène, pourquoi elle ne se réveille pas? Est-ce que ça va? Oh non. Vous m'avez encore sauvée. Je suis si heureuse. Rejoignez-moi. Je suis mouillée. C'est génial, oui, non? Vous aussi, vous êtes une petite farceuse. Puis devenir aussi belle. Bien sûr que oui. La 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 la. Hé, hey, laisse-moi tranquille ou tu le regretteras. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Rachel fera un live? Waouh, si seulement je pouvais embrasser ses lèvres. Oh, était-ce vraiment nécessaire? Mais je t'aime. Pourquoi ne pas venir voir mon spectacle? Hein? Vraiment? Mais c'est réservé aux sirènes. Je me débrouillerai. Hé, hey, hé, hey, par ici. Bienvenue dans ma chambre. Oh, salut, Timmy. Ça ne me dit rien. D'accord, allons-y. Ah, je suis vraiment désolé. Mais j'ai un plan génial. Il est temps d'y mettre le paquet. Rock'n'roll, bébé. Voyons si la voie est libre. Waouh! Ça a vraiment marché. C'est comme une explosion de Rachel. Parfait. Parfait. Très bien. Allons... quelle est cette horrible odeur? Quelqu'un a oublié de sortir les poubelles ou quoi? Timmy, le dîner sera bientôt prêt. C'est tout frais. Timmy! L'odeur vient d'ici. Oh, merci. Je t'aime. Mais mon poisson! Ces écailles sont exactement ce qu'il me faut. Attends, ça vient d'un poisson, ça, non? J'aimerais bien ressembler à ça. D'accord, réalisons-le. Ça te plaît? Pas vraiment. C'est quand la dernière fois que t'es allé chez le dentiste? Elles sont en mauvais état. On peut le dire. Enfin bref, vérifions la queue. La queue? Mais j'ai que des pieds qui puent. Mais attends un peu. Ça sent la nouvelle queue par là. Oh! Superbe chanson, mon ami. Merci beaucoup. Oh, désolé pour ça. Mais j'ai du pain sur la planche. Je suis un créateur hors pair. Passons aux choses sérieuses. C'est parti. Regardez-moi faire ma magie. En avant les écailles. Voilà qui est mieux. Puis les nageoires. Elles sont magnifiques. On dirait une vraie queue de sirène. Reste plus qu'à essayer. J'en ai plus besoin. De quoi ai-je l'air? Suis-je devenu une sirène? Oh zut! C'est gênant! Rien qu'un peu de ruban adhésif ne puisse réparer. J'en aurais grandement besoin. C'est pas comme si je pouvais porter une ceinture. Comment savoir si c'est assez? Et voilà! La queue parfaite! Ouais! Maintenant, je suis prêt! C'est parti! Doucement! Quoi? Je dois poster ça! C'est hilarant! Vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Suivant. Pas un pas de plus. Suis-je censé croire que ce sont des nageoires? Sans façon. Sortez. Mais pourquoi? Je dois entrer. J'ai pas toute la journée, mon pote. T'en penses quoi? Je le savais. C'est tellement injuste. Mais comment? Hein? Toi! C'est ma maison. Hé,
Oh, je dois me couvrir. Ça s'est mal passé. Je ne verrai jamais la fille de mes rêves. C'est pas juste. Aidez-moi. Pauvre gars. Un coup de main? Quoi? C'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Rachel veut m'aider? Ok. On reprend l'opération, voir Rachel. Mais pas avec cette peau toute moche. Fini les fausses écailles. Ah, qui est ce beau diable? Ah, fichu bouton. Et voilà. C'est tellement satisfaisant. J'ai besoin d'un peu plus d'humidité. J'ai juste ce qu'il faut. Oh, ça fait du bien. C'est tellement rafraîchissant. Mais pourquoi ça me démange autant? Je comprends pas. Attendez une seconde. C'est pour les chiens. Désolé. Pourquoi ne pas mettre ceci? Il contient de l'extrait d'algues. Merci. J'espère que ça va marcher. Faut aimer les algues. Je vais me reposer les yeux une minute. Ah, c'est ça. Tu vois ça, Rachel? C'est pour toi. Je me sens si spéciale. Pas avec mon masque, bien sûr. J'ai la police, maintenant. T'es plutôt beau, en fait. J'aime bien. Ça me soulage. Que se passe-t-il? Oups. Éloigne-toi de moi. C'était mon haleine ou... Hein? D'où vient cette chose? Désolé. Il est temps de s'occuper de ses dents, pas vrai? C'est horrible. Tu penses? Tiens, tu me remercieras plus tard. Oh, merci beaucoup. Je ferais mieux de me mettre à mâcher. Ah ouais, j'ai besoin de tout ça. Waouh, ce truc est mentholé. Mais ma mâchoire commence à fatiguer. Vous pensez que mes dents sont déjà blanches? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Voyons voir. C'est devenu tellement énorme. Waouh, regardez-moi ça. J'ai fini. L'heure de la vérité a sonné. C'est quoi tous ces poils? Je pense que je peux t'aider. Vraiment? C'est pour moi. J'en crois pas mes yeux. Une tondeuse électrique? Pile ce qu'il me faut. Adieu, monosourcil. Passons maintenant à la moustache. Facile. Aussi douce que la peau d'un bébé. Ah, parfait. Enfin, presque. J'ai des queues de cheval là-dessous. Pas aujourd'hui. À quel point es-tu poilu? Waouh, regardez cette merveille sans poil. T'en dis quoi, Rachel? Hein? T'as une petite... tu sais... C'est pas la mienne. Prends ça. C'est tellement lourd. Il y a quoi dedans? J'en reviens pas. Tant de belles couleurs. Et regardez toutes ces paillettes. Waouh. C'est mon jour de chance. Ok, c'est parti. Il ne m'attrapera jamais. Dans ta face. Une seconde, c'est quoi cette musique? Joli groove. Minute, on va au poste. Allez. Ça te plaît? Attends, je vois pas ton visage. Où sont mes lunettes? Ça va, mais il y a juste une chose. Viens là! Ces choses sont atroces. Celles-ci sont bien plus attrayantes. Regarde-les, Timmy. Waouh, je peux voir. Et je les aime bien. Ouais, il reste plus que la queue. Prends-la. Quoi? Fais-moi confiance. D'accord, merci, je suppose. Qu'est-ce que c'est? Ça n'en finit pas! Voilà!
Ma queue! J'en crois pas mes yeux! Et ça rentre! Qu'en est-il du haut? Il doit partir! C'est beaucoup mieux! Hé! Hey, donne-moi ce truc! Waouh! Je suis amoureuse! Je viens te chercher, Rachel! Et ils me laisseront entrer cette fois! Car je suis une sirène maintenant! Elle est extraordinaire! Wow, magnifique! C'est le meilleur des concerts! J'ai raté quelque chose? Je suis là, Rachel! La 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 la! Hein? Qui est-ce? Salut! Je suis ravie de te rencontrer! Oui, bisous! C'est l'amour véritable de Rachel! Pas sous ma surveillance! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dois partir d'ici! Rachel? C'est assez gênant, enfin bon. L'heure du dîner est mon moment préféré. Du boudin, miam. Il est important d'avoir un régime alimentaire équilibré. Qui est-ce? Docteur, aidez-moi, j'ai mal à la tête. Oh. Un humain? Mon vrai dîner est arrivé. Venez par ici. Hein? Ne bougez pas. Et taisez-vous, vous êtes mon dîner préféré maintenant. Un festin. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je jure que ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Pas d'humain, mais les vêtements sont intacts. Comme c'est étrange. Au revoir, cinglé. Bonjour, docteur. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Une autre créature? Oh. On ne veut donc pas me laisser manger mon dîner tranquillement? Une fille? Un poisson? Aïe, mes dents! Venez par ici, madame. Oh, ça fait très mal. Faites-moi voir vos dents. Je souffre. S'il vous plaît, faites quelque chose. Détendez-vous. Je pense savoir quel est le problème. Laissez-moi d'abord prendre mon outil... Mon outil de travail. D'accord, préparez-vous. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Mais est-ce que ce sont des crocs? Sympa, n'est-ce pas? Non, non. Mais pourquoi? Je suis horrible. Pourquoi vous m'avez fait ça? Ne vous inquiétez pas. N'approchez pas ça de moi. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai besoin pour couper le fil, vous voyez? Une astuce pour arracher les mauvaises dents. Ouvrez la bouche. Ok, ne bougez pas. Ça va faire mal? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'en suis pas sûre. C'est presque prêt. Ok, c'est parti. Oh mon Dieu! J'ai perdu deux dents. Oups. Je ne m'attendais pas à ça. Ce sandwich est bien meilleur avec de la mayo à l'ail. Oui, j'adore l'ail. Super. Oh oui, je vais me régaler. C'est quoi cette odeur? De l'ail? L'odeur de l'enfer! Je crois que j'ai ce qu'il faut. Délicieux! Oh non! Docteur, mon ventre! Votre ventre? D'accord, examinons-le. C'est un peu froid. C'est l'heure de la magie de l'échographie. Voyons donc l'écran. Nous avons ici un banc de bébés poissons. Est-ce que je suis enceinte? Eh bien, on dirait que... Oups! Quoi? Donnez-moi ça! Je vais vérifier moi-même. Je peux pas être enceinte, voyons voir. Où est la sortie? Beurre, dégoûtant. Ouf, je suis pas enceinte. Maintenant, il faut que j'aille aux toilettes. Prenez votre temps. Qu'est-ce que je m'ennuie? Oh! Y a-t-il quelque chose d'intéressant ici? Voyons voir. Un ananas? Non. Un beignet? Non. De l'argent? C'est par ici que ça se passe. Allez, donne-moi quelque chose, sac. Des perles? Le meilleur ami des sirènes. Et une coquille. Nouvel appel? Allô? Oh oui! Hé, fille poisson! Oui, oui! Quoi? Mon cou! J'ai mal! Je sais ce qu'il faut faire! Voilà! Vous êtes comme neuve! Mais je suis hideuse! Non, ne pleurez pas! Attendez, je crois que j'ai ce qu'il faut! Les petites perles font une excellente décoration! C'est adorable! Laissez la beauté de l'océan illuminer votre journée. Ça vous plaît? Waouh, c'est superbe! Content que ça vous plaise. Maintenant, je peux enfin finir mon dîner. Aïe, mon cou! Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Mon orgueil est plus blessé que mon cou. Vous êtes superbe. Merci. Au secours! Qu'est-ce qui se passe encore? Ce problème semble complexe. Des os cassés... Ne vous inquiétez pas, ma chère. Un gros plâtre vous remettra sur pied. Enfin, sur queue. Votre queue sera comme neuve en rien de temps. Aïe, aïe, aïe. Bon sang. Je ne peux pas supporter ces cris. Il faut que cela cesse. Voilà, cette seringue me donnera la paix dont j'ai besoin pour travailler. Voici un petit... Où est-elle allée? Puis poisson, où êtes-vous? On se cache sous le lit, hein?
Eh bien, votre lit vous appelle, mon ami Aikai. Non, s'il vous plaît, non! Ne bougez pas de votre lit. Somnia Tenebris, que la nuit soit douce. Docteur, qu'est-ce que vous... J'ai bien dormi, super. J'ai donné un petit coup de jeûne à votre queue. C'est un cauchemar. Enlevez ces trucs de ma queue. Je ne l'avais pas vu venir. Quelle fin surprenante. J'ai tellement soif. Plus de sang? C'est atroce. Il faut que je morde dans quelque chose. Hé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis venue vous dire au revoir. Eh bien, comme c'est sympathique. Laissez-moi vous donner un petit souvenir. La facture, si vous préférez. Tout est là. C'est l'heure de l'apothéose. Voici votre facture. Par tous les tritons, 150 000 dollars? Vous êtes fous? Je n'ai pas d'argent, regardez. Il n'y a que des déchets de l'océan dans mon sac, pas même un centime. Attendez une seconde, j'ai une idée. Marché conclu. Vous allez adorer. Un tube de sang de sirène vaut plus que n'importe quel argent. Et voilà. Votre facture est réglée. Oh, le sang d'une créature marine. C'est si précieux. Et si rafraîchissant. C'est notre petit secret. Oh, mon amour. Quoi? Rompre? C'est impossible. Oh, mon cœur. Aïe. Il est poignardé par 1000 couteaux. Hein? Je peux plus Qu'est-ce vivre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai le cœur brisé, docteur. Ce n'est pas bon du tout. Il faut que j'arrange ça. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rendre à nouveau inconsciente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Droite-gauche, droite-gauche. Joli travail. Mouah. Préparons ce cœur brisé. Oh non, rien ne bat plus. Je dois faire vite. C'est parti. Drôle de truc là-dedans. Des coquillages. Trop bizarre. Je vais retirer du liquide. Le cœur brisé est irréparable. Nous avons besoin d'un nouveau. J'ai un cœur rose bien frais. Fini le vieux, place au rose. Ton cœur passe au niveau supérieur. Je suis très fier de moi. Elle revit. Incroyable. Hé, réveillez-vous. Quoi? Je suis vivante, vous m'avez sauvée. Ah, trois fois rien. Oh, mon héros. Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas dans un feuilleton à l'eau de rose sur les vampires. Bye bye. C'était un peu gênant quand même. C'est l'heure de ma prise de sang. Hein? Un moustique? Hé, laisse-moi. Maudit moustique, laissez-moi profiter de mon sang. Non! Ce monstre met ma patience à rude épreuve. Hein? Espèce de sale punaise. Il a amené des amis? L'apocalypse des moustiques dans ma propre chambre? Ils sont partis? Tant mieux. Moi, retour à mon rafraîchissement. Attendez. Quoi? Nom d'un vampire? Je plaisantais. Au revoir. Éloignez-vous de moi! Oust! Oust! S'il vous plaît, laissez-moi boire mon sang! Où est-ce qu'ils sont passés? Je les vois plus. Oh! Tenez, moustique! Voici votre sang! Bon appétit! Au revoir! Merci! Oh, oh non! Qu'est-il arrivé à mon sang? Mon précieux sang a disparu! Oh non! Une lueur d'espoir! Chaque goutte compte! C'est une question de vie ou de mort! Aucun sang ne sera gaspillé! Ça ne suffit pas! À l'aide! À l'aide! Au secours! Bonjour, docteur! Oh non! Du sang! J'ai besoin de sang! Oh non, il est en train de mourir! Docteur, levez-vous! Tenez, prenez mon sang! Youpi! C'est l'élixir de vie! Je peux sentir le pouvoir! Waouh! Vous aimez mon nouveau look? C'est un ange vampire du sombre océan! Aime-moi, mon ange! Je t'aimerai tendrement! Tu veux être ma partenaire? Je le veux! Waouh! Regarde cette fille magnifique! Bref, excusez-moi. Hey, dégagez le passage. Ma boisson! Ça fait mal! Mais ces bleus en valent vraiment la peine. Regarde-la! Ce visage! J'y vais. D'accord. Oh là là! J'arrive! C'est regrettable. Oh mec! Ok, une seconde. Mes dents! De ma chute! Je ne sors pas avec un faux vampire, un télo. Hein? Un raté! Oh. Un raté? Je dois changer! Mec, quelle journée! Regarde ça!
Mes dents. Hé, c'est quoi ce magazine? Le monde des vampires? Waouh, regarde les pectoraux de ce mec. Je me demande... je veux lui ressembler. J'ai trouvé. Il est temps de transformer cette voiture. Oh oui. Waouh. C'est à ça que je ressemble vraiment? Oh non, mes boutons. Oh mec, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oh, ils font vraiment peine à voir. Que puis-je utiliser? Mes stylos. Il ne me reste plus qu'à enlever l'encre. J'espère que ça ne va pas me faire mal. Je l'ai. Allez. Cette chose fonctionne plutôt bien. Le dernier. Ça fait beaucoup de plus. Oups. Oh, ce n'est pas bien. Oh oh. Eh bien, regarde-moi ça. Oh non, mon grand-père. Laisse-moi t'enlever ça. Oh, désolé, grand-père. Maintenant, je vais me débarrasser de tout cela. Et voilà. Waouh, mon visage est parfait. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Ça ne va pas. Un peu de gel pour les cheveux, peut-être? Oh, allez. Je pense qu'il est bouché. Rien ne sort. Non, ça ne fonctionne pas. À situation désespérée, mesure désespérée. 1, 2, 3. Attends, ne me dis pas que c'est encore arrivé. Oh oh. C'est encore pire. Oh non, encore. Je suis désolé, grand-père. Mais j'ai besoin du gel. Et voilà. Ouais, merci, grand-père. Où en étais-je? Ah oui, mes cheveux. Un peu de paillettes devrait arranger les choses. Et le noir est ma couleur préférée. Cela devrait suffire. Heureusement que j'ai toujours un bâtonnet pour mélanger. Je dois bien profiter de toute cette bonne chose. Ce gel a intérêt à être très épais. Et bientôt, j'aurai des cheveux magnifiques. Voilà, c'est de ça que je parle. Je vais utiliser mes mains. Incroyable. Oh oui, il s'applique super bien. C'est très bien. Oh, waouh, j'ai l'air d'un mec sexy. Je ne peux pas les mettre. Ah, le voilà. Maintenant, j'ai l'air bien. Mais je ne vois pas grand-chose. Où sont mes lentilles de contact? Ah, j'y suis presque. Permets-moi de voir. Ah. Waouh, tout est tellement plus net maintenant. Je vois. Depuis combien de temps il est là? Faut que je m'en occupe. Rien qu'un peu de fil dentaire ne puisse gérer. C'est la dernière fois que je mange une salade d'épinards. Regarde la taille de cette chose. Beurre, c'est dégoûtant. Blah. Qu'est-ce qui est encore coincé là-dedans? Ah. Beurre, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Attends une minute. Ah, j'ai quelque chose. Je me souviens pas d'avoir mangé ça. Attends une minute. Ah, c'est mon doigt. Non, c'était mon petit déjeuner. Tout simplement délicieux. Maintenant que l'heure du goûter est finie... Eh, c'est quoi cette lumière? Elle m'aveugle. Oh, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Je crois que c'est un diamant. Et en plus, il est beau. Je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Presque. Et voilà! Regardez ces magnifiques dents. Super! Mais elles ne vont pas avec ça. Elles sont toutes pareilles. Je ferais mieux d'aller faire du shopping. Ouais. C'est un... peu importe. Tout ici est tellement coloré. J'ai besoin de quelque chose de très élégant. Je dois réfléchir. Qu'en est-il de celui-ci? 100 dollars? Et celle-là? Oh, beaucoup trop cher. Est-ce que j'ai de l'argent liquide? Je ne sais pas. Des trucs inutiles, tout simplement. Non, je n'ai pas d'argent. Je sais ce qu'il faut faire. Hé! Ah,
bonjour. Je veux ça, s'il vous plaît. D'accord, cela nous donne 155. En êtes-vous sûr? Wow! De l'argent, s'il vous plaît. Merci. Avec plaisir. C'était facile. Ah, wow! Ces trucs me vont parfaitement, même les chaussures. Maintenant, je suis prêt. Bonjour, mesdames. Oh, wow, il est si mignon. Oh, mon Dieu. Salut. Wow. Mais de toute façon, tu dois me prouver que tu es un vampire. Qu'est-ce que c'est que ça? S'agit-il d'une sorte de défi? Je ne sais pas si je peux faire tout cela. Qu'est-ce que... D'accord, qu'est-ce que tu veux? Voilà le premier défi. Tu vois, essayez de m'hypnotiser. D'accord. Tu veux m'embrasser? Oui, regarde-moi dans les yeux. Je veux t'embrasser. Oui, c'est ça. Quoi? Que s'est-il passé? Un baiser. Un quoi? Pourquoi tu as mis du rouge à lèvres? C'est de ton baiser, tu te souviens? Laisse tomber, passons au suivant. D'accord, allons-y. Je te suivrai partout. D'accord, cette pièce est aussi bien qu'une autre. Mais bon, tu vois tout ce désordre? Organise-le le plus vite possible, s'il te bon, plaît. Bon, par où commencer? Voyons voir. Là. Salut, Rachel. Comment ça va? Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est juste un mardi normal. Pas vrai? C'est bon pour la chaise. Le chevalet est posé, couvercle en place. On ne peut pas m'arrêter. Ouf. Rachel, j'ai terminé. Oh non, pas la chaise! Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, c'est vrai. Oh, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je dois partir. Au revoir. Timmy? Que s'est-il passé ici? Oups, c'est de ma faute. Je savais que tu n'allais pas réussir. J'ai tout nettoyé, je l'ai fait. Je t'en prie, s'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, passons à l'étape suivante. Toujours dans le jeu. Tu vois cet alter? C'est ton prochain défi. La force, essaye. Ok, ça va être facile. Je suis bien étiré. Et je lève. Tu vois, j'y arrive. Oh, c'est impressionnant. Oh là là, je perds le contrôle. Garde-le là-haut. Attends, est-ce que cet alter est en argent? Il est tellement chaud. Il glisse. Tu viens de me faire perdre mon temps. Rachel, attends. Ton prochain défi est celui de la visée. Essaye de trouver ça. Si tu le dis. Cela ne doit pas être trop évident. Il ne regardera jamais ici. Ah, parfait. Le temps commence. Maintenant, le temps presse. J'enlève ça. D'accord. Si j'étais un jouet, où serais-je? Voyons voir. Oh, waouh! Ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Du sang? Allez, Timmy, montre ton côté vampire. Qu'avons-nous ici? Du sang neuf, peut-être? Pas tant que ça. Ne t'inquiète pas. Je peux t'aider. C'est un joli petit pansement, hein? Tout va mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Il n'y a pas de quoi. À plus tard. Bon, revenons à nos moutons. Le temps est écoulé. Oh, je non. m'en vais. Rachel, attends! S'il te plaît, laisse-moi réessayer. Je veux une autre chance. Ces rideaux. J'ai une idée. Oui. Où vas-tu? Tu es prête? Quoi? Non! Que la lumière soit. Je suis dans le pétrole. Je brille comme un diamant, n'est-ce pas? Oui. Oh wow, regarde-le. Tu vois, je suis un vrai vampire. Pourquoi tu ne brilles pas? Je peux t'expliquer. Toi, tu n'es pas un vampire. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Donne-moi ces fausses dents. Je te l'avais dit, elle est tellement fausse. Ce n'est pas possible.
Rachel, attends! Oh, c'était tellement gênant! Rachel? Te voilà! Rachel, pourquoi tu pleures? Je ne suis pas un vrai vampire! Si tu veux, je peux t'aider! Mais comment? Je vais te montrer. Crow, au travail! D'accord! Tu es prête? Ah. Oh, cela n'a même pas fait mal! C'est en train d'arriver? Oui! Maintenant, je suis un vampire, merci! Viens avec moi! Oh, vraiment? J'irai n'importe où avec toi, Timmy! attends, je dois arranger mon maquillage! Ah, elle est trop mignonne! Waouh, regarde! Un concours de vampires? Je vais être la meilleure vampire! 100 dollars? C'est beaucoup d'argent! Oh, on cherche une nounou? Laisse-moi voir ce truc! J'ai une idée! Je vais être une nounou!